troisième ange suit les deux premiers. Il dit d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et sa statue, s'il reçoit sa marque sur le front et sur la main, il boira, lui aussi, le vin de la colère de Dieu. » Adorer la bête et son image, ou sa statue, est mis en opposition avec l'adoration que l'on doit à Dieu. Adorer Dieu, c'est reconnaître son caractère d'amour, c'est reconnaître aussi sa loi. Le quatrième commandement nous parle de ce Dieu créateur, de son amour infini. La marque de la bête s'opposerait donc à ce vrai jour d'adoration. Un faux jour d'adoration, une sorte de détournement de l'adoration que l'on doit au Créateur. Ce serait une volonté d'indépendance, de créer moi-même mes lois, mes règles, ma vision des choses. La marque de la bête, loin d'être une puce que l'on pourrait nous mettre sous la peau ou des micropuces qu'on pourrait nous injecter sous forme de vaccin contre le coronavirus, est avant tout dans le cœur, dans la volonté, dans les actes. Est-ce que j'ai choisi Dieu comme créateur et sauveur? Est-ce que je choisis de rester vigilant aujourd'hui, de rester en prière, de réclamer le Saint-Esprit pour qu'il m'éclaire et me guide? Est-ce que j'ai choisi, comme Jean 14 m'invite à le faire, de ne pas me laisser troubler par ce qui se passe, mais de croire en Dieu, adorer Dieu, garder ses commandements, m'éloigner du mal, voilà ma raison de vivre. Que sa paix et sa joie remplissent mon cœur aujourd'hui. Amen.